mémorandum à l'attention de Monsieur le Président de la République du Sénégal sous couvert de la voie hiérarchique. Monsieur le Président, ce mercredi 25 septembre 2019, sur l'initiative de l'Union des jeunes de Kaguité environ, IJKE, nous, population de Kaguité, Étafoune, Kourin, Bakounoum, Dialan, Kassou Sénégal et Bougnac, venons d'organiser une marche de Kaguité à Niassia afin de rappeler à l'État du Sénégal sa mission régalienne en matière de réalisation d'infrastructures pour améliorer nos conditions de vie, pour améliorer des conditions de vie des citoyens. Nous sentant oubliés par l'État du Sénégal, nous réclamons le bitumage du tronçon Dialan-Kaguité en lieu et place d'une réhabilitation pour laquelle on nous a annoncé depuis plus de 3 ans la disponibilité du financement et le choix de l'entreprise Areski pour les travaux, lesquels travaux n'ont jusque-là pas encore démarré sous le prétexte qu'il n'y a pas de sécurité et de carrière dans la zone. Ce prétexte ne saurait être accepté, Monsieur le Président de la République. En effet, comment comprendre qu'une entreprise qui construit des routes soumissionne à un tel marché jusqu'à le gagner en ne prenant point en compte la carrière sans laquelle la route ne peut se réaliser? Aussi, l'idée selon laquelle il n'y a pas de sécurité dans notre zone est fausse. Kaguité et les villages environnants sont aujourd'hui au Sénégal parmi ceux à travers lesquels la libre circulation des personnes et des biens, de jour comme de nuit, est une réalité. Nous voulons une route bien faite, durable. Deux, nous réclamons aussi l'électricité. Nous réclamons aussi l'électrification de Kaguité et des villages qui se situent sur le tronçon Dialan-Kaguité. Nul n'ignore que Kaguité a le poids démographique et économique le plus important dans l'arrondissement de Niassia. Son électrification est celle de ses voisins que dessert la piste de production dont nous réclamons le bitumage, à savoir Dialan, Bakounoum, Étafoune et Kourin, demeure par conséquent un impératif. Nous voulons du courant suffisamment et en permanence. Trois, enfin, nous exigeons notre accès à l'eau potable dans le cadre d'un dispositif. Dans le cadre d'un dispositif qui alimentera tous ces villages. Cette demande est d'autant plus fondée et légitime que dans cette zone, beaucoup de puits tarissent dès le mois d'avril. Nous voulons de l'eau, de la bonne eau tous les jours et toute l'année. Monsieur le Président de la République, depuis l'indépendance de notre pays, le Sénégal, aucune initiative concrète allant dans le sens de faire véritablement émerger les zones frontalières comme la nôtre n'est prise, alors que paradoxalement, dans d'autres zones, des villages plus petits et moins productifs sont mieux servis. Connaissant votre générosité et votre esprit d'équité, nous osons croire que notre cause sera entendue et fera l'objet d'une attention particulière de votre part et que dans un délai très proche, nous verrons enfin la réalisation concrète et entière de nos quelques doléances. Nous sommes en mesure de dire que la paix est maintenant en nous, dans nous et entre nous depuis bientôt 10 ans, que nos différentes associations villageoises y consacrent beaucoup de leur temps. Le moment est donc venu de cesser d'étiqueter notre zone comme zone rouge et d'y consacrer plutôt beaucoup plus d'investissement pour que nous sentions davantage comme des citoyens, pour que nous nous sentions davantage comme des citoyens à part entière et non entièrement à part. Nous voulons sentir l'axe 2 du plan Sénégal émergent qui vise une amélioration significative des conditions de vie des populations
une lutte plus soutenue contre les inégalités sociales, tout en préservant la base de nos ressources et en favorisant l'émergence des territoires viables. Nous le voulons sans embâche, pour que vive Kaguit et environ, vive le Essing, vive l'arrondissement de Niassia, vive le Sénégal.